parce que tu es réellement merveilleux, notre Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, Seigneur, aucun homme ne pouvait le faire, notre Dieu. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, notre Dieu. Reconnaissant de l'amour que tu nous as témoigné. Reconnaissant de la grâce que tu nous as accordée. Reconnaissant du privilège que nous avons d'être dans ta maison ce soir, Seigneur. Et en réellement tout abandonné, quand notre sœur est malade, rendu témoignage, mon sauveur. Beaucoup sont malades dans les hôpitaux aujourd'hui, Seigneur. Beaucoup sont malades dans les maisons, notre Dieu. Beaucoup sont même partis, Seigneur, notre Dieu. Mais qu'est-ce que nous sommes, mon sauveur, pour être encore parmi les vivants? Seigneur, ce n'est que ta grâce, oh Dieu, qui s'est manifestée encore sur nous. C'est pourquoi reconnaissant, Seigneur, que cette grâce que tu nous as faite, mon sauveur, c'est pourquoi nous venons dans ta maison, Seigneur, en signe de reconnaissance, notre Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons chanter à la gloire de ton nom. Seigneur, tous les jours ne se ressemblent pas, oh Dieu. Tu es réellement parfait dans ta manière de faire les choses. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce, notre Dieu. Nous voulons réellement exalter ton Saint-Nom, parce que tu es le seul et unique Dieu qui règne et qui domine sur la terre et dans le ciel, et même sous la terre, mon sauveur. Tu es le seul qui prend le contrôle, mon Dieu, mon roi. Tu es réellement le Dieu puissant et parfait. Merci pour ta présence parmi nous, notre Seigneur. Quel privilège nous avons d'être réellement le fils de ce grand Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce, mon sauveur. Nous sommes les vivants, mon Dieu, et ta parole nous dit que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent et qui t'adorent, mon Dieu. Dans le ciel, les anges te louent et t'adorent. Sur la terre, nous te louons, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous encore ce jour éternel. Nous nous approchons de toi avec respect, avec crainte et tremblement. Père, recommandons réellement ces moments de tes mains. Merci pour ce que tu nous conduis. Merci pour ce que tu nous inspires. Merci parce que tu nous rejouis de vivant. Bénis ton serviteur, par la bouche belle. Tu vas encore nous parler ce soir, notre Dieu. Combien c'est un jour particulier, Seigneur. Combien c'est un jour précieux, mon Père. Inspire-lui encore une fois la parole nécessaire dont nous avons vraiment besoin. Nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Dieu vivant. Viens, Seigneur, sers-toi simplement de l'homme qui soit un micro, mon Dieu, mon roi, par lequel toi tu vas encore t'adresser à nous, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens nous attendrir, mon Sauveur. Enlève toute incrédulité à ta parole. Viens, Seigneur, enlever, oh Dieu, tout obstacle, mon Dieu, tous les filtres, Seigneur, qui peuvent encore, Seigneur, filtrer ta parole. Que nous puissions vraiment avoir un cœur ouvert, un cœur sincère, qui puisse recevoir toute ta parole, mon Père. Ce soir, nous sommes venus tels que nous sommes, mon Dieu. Viens nous visiter. Viens nous faire du bien, Père. Viens nous parler, oh Dieu. Bénis ton serviteur. Sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques. Merci pour ce que tu réjouis nos cœurs. À toi la gloire, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Levons-nous dans la vie comme ça. Nous lisons le psaume chapitre 45. Psaume chapitre 45. Nous lisons la parole du Seigneur. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint en épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire soit vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Et elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Tes filles de roi sont parmi tes bien-aimées. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sous ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec tes présents,
la fille de Tyr, les plus riches des peuples rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue des habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place des pères, de tes pères, et tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Amen. Ce soir, de tout notre cœur, de notre âme, mon bien-aimé. Si toi tu ne parlais pas, mon Seigneur, que ferons-nous? Et comment pourrons-nous connaître le chemin? Où pourrons-nous aller, mon Maître béni Père Saint? Parce que c'est toi qui nous conduis. Et tu es réellement le chemin, la vérité, la vie. Et tes paroles à toi, elles éclairent, mon bien-aimé Père. Nous avons vraiment soif encore de toi, besoin de toi tous les jours, mon Maître béni. Nous ne pourrons jamais nous lasser de toi, ô notre Dieu, parce que nous savons combien tu es tellement si important, Père. C'est toi qui nous montres le chemin du ciel, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. C'est toi réellement aussi qui nous a lavé, transformé aussi, Père. Combien nous sommes dans la joie, sachant que c'est toi aussi qui nous prépare, ô notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Et c'est toi aussi qui nous a appelés, mon Maître béni, pour que nous puissions te suivre, toi, le bon berger. Et ce soir encore, nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, Père. Seigneur, avec nos cœurs, avec nos âmes aussi, bien-aimé Père Tout-Puissant. Voyons ce peuple, le Père Tout-Puissant, depuis des jours. Et tous les jours, il est là, mon bien-aimé Père Saint, pour te louer, pour te glorifier, bien-aimé Père, pour Dieu, pour aussi entendre aussi ta parole à toi, mon bien-aimé Père. Mais tu as dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, Seigneur. Fortifie encore ce peuple qui est à toi. Et nous rendons gloire à ton nom encore, Père Tout-Puissant, pour les chants des cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce. Nous te remercions vraiment pour tout ce que tu fais, Père. Et pour nos frères et sœurs que tu ramènes encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, ô Dieu, qui sont aussi arrivés, nous te remercions, Père. Tu es digne d'être glorifié, d'être adoré, Père. Louange à toi pour ta main de l'agrader sur le chemin, Seigneur. Béni sois-tu encore pour ce moment, Père. Et ceux aussi qui sont rentrés, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, mais avant encore protégé, mon bien-aimé Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père, pour le sauve. Nous avons lu encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint. Nos cœurs sont tournés vers toi et te glorifier encore pour ton amour et ta bonté à notre endroit. Oui, Père, sois béni. Merci encore pour la guérison. Merci encore pour le pardon de nos péchés, mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour la force et la santé, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Louange et honneur à toi. Nous avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et notre Dieu bénisse nos frères et sœurs aussi qui sont en connexion. Amen. Et surtout notre sœur Brigitte qui est donc là-bas aussi en France, qui a pu pouvoir demander que les salutations soient aussi transmises. Et j'ai oublié de les transmettre à mon frère. Et que le Seigneur la bénisse. Et il a aussi besoin de nos prières aussi. Nous remercions notre Dieu pour nos sœurs aussi qui sont arrivées donc de Paris. C'est notre sœur Brigitte. Brigitte de Paris et avec notre sœur José. Ils sont donc arrivés hier, que je puis voir aussi aujourd'hui, que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Nous nous réjouissons réellement de ce que nous pouvons les avoir parmi nous. Amen. Nous avons donné aussi une nouvelle, notre frère Bondo, qui a besoin que nous puissions prier aussi pour lui. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, le soutienne. Nous aurions été dans la joie de l'avoir parmi nous, mais la santé n'a pas permis qu'il puisse avoir la force de pouvoir venir jusqu'ici. Nous savons que le Seigneur le renouvellera. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il fait vraiment de merveilles. Amen. Et il nous soutient, il nous fortifie et nos cœurs sont dans la joie. Amen. C'est vrai que tous les jours, les réunions, pour l'humain, ce n'est pas facile. Mais notre Dieu nous a donné la force. Amen. Nous ne pourrons pas nous lasser de notre Dieu. Par contre, nous trouvons la joie, Amen. Le plaisir de pouvoir. Nous nous disons, Seigneur, si vraiment tous les jours on pouvait avoir des réunions comme ça. Amen. Nous changerons vraiment et les choses seront tellement différentes. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce soir, nous aurons donc la joie de pouvoir aussi voir nos deux sœurs
et prendre le nom du Seigneur dans les eaux du baptême. Et à ce propos, j'ai eu la soeur parce que la soeur Biniche a voulu recevoir nos deux soeurs en fait chez elle à la maison. Et voilà qu'elle m'a appelé et puis après elle m'envoie un message et me dit: aïe aïe aïe, frère, ces filles sont vraiment extraordinairement super. Amen. Il a dit, vraiment, je les aime beaucoup. Amen. Et je suis content de les avoir. Amen. Et Dieu soit béni. Amen. Ce que nos deux sœurs ont eu à pouvoir agir d'une manière particulière. Amen. Nous remercions Dieu qui réellement accorde cette grâce. Et ce qui est touchant, ce que je pense complètement que c'est là, parce que les sœurs avaient les cheveux à foufou comme ça. Mm-hmm. Et voilà que pour ce qu'ils doivent prendre le baptême, et effectivement. Alors, ils m'ont posé la question de savoir si elle devait arriver à pouvoir. C'est elle qui m'a appelé ce matin en disant: mais frère, je voudrais savoir, est-ce que. Tu dis oui, si ce sont des choses-là, c'est bon qu'on puisse l'enlever. Parce qu'on va enterrer la personne. Amen. Et je crois que ça n'a pas posé de problème aux soeurs. Elles ont fait avec beaucoup d'allégresse et de joie, effectivement, parce que. Et c'est ce qui est important pour elle, c'est de pouvoir revêtir le Seigneur. Amen. Nous remercions notre Dieu pour cela. Et que Dieu soit béni, vraiment, que Dieu bénisse notre frère Daouda, vraiment. Et c'est merveilleux parce que Dieu le bénisse richement. Il ne dit rien, et j'entends. Amen. C'est vrai, j'avais un placement parce que quand je suis passé le soir, je passais à 1h du matin, je passais par chez la soeur, je vais prendre des enfants. Puis j'ai vu tous les bataillons de. J'ai une sœur ici qui descendait avec joie et mon cœur était dans la joie. Amen. Et de voir tout là, mais en fait, je regardais chez la sœur, c'était très rempli. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur. Amen. Et alors, j'avais un placement, j'ai dit, en tout cas, il faut qu'on achète des choses pour donner quand même. Ma sœur, et qu'on puisse quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis je pense à tout ça, évidemment. Et puis je l'appelle, j'ai dit, ma sœur bien-aimée, vraiment mon cœur, je voudrais qu'on puisse vous acheter un sac de riz, des choses comme ça. Elle dit, mais pasteur, moi, j'avais pensé aussi, avant même que le frère vienne, on avait pris les dispositions. Amen. J'ai dit que Dieu la bénisse. Amen. Et puis après, j'entends aussi qu'elle s'était préparée. Et quand le frère Daouda est arrivé, il a vu sa sœur, donc j'acquitte après ce que j'ai eu à pouvoir recevoir, ce qu'il a dit à sa sœur, j'ai ma carte de banque, je te la donne, tu achètes tout ce que tu veux, Amen. Pour tout ce qui viendra à la maison. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Daouda, c'est un jeune. Amen. Prendre son argent et donner pour qu'on puisse faire cela pour les autres. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Alléluia. Nous avons sujet de glorifier notre Dieu. Amen. De prier et de le remercier pour ce qu'il fait au travers de nos frères et sœurs et des jeunes aussi. Parce que c'est facile, on veut garder, mais quand on a et qu'on donne, c'est autre chose. C'est que dans un temps comme celui-ci, jeune comme il est aussi, il peut dire, bon, je me prépare, je fais des économies. Il dit, non, ma soeur, prends la carte, dépense comme tu veux. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous rendra au sanctuaire. J'étais heureux aussi d'entendre le témoignage de notre bien-aimée soeur Fanny. Amen. C'était hier, je crois. Je peux en dire. Amen. C'est merveilleux. Amen. De voir comment notre Dieu témoigne de ses enfants. Amen. Partout où nous passons, effectivement. Nous avons confiance que le Seigneur fera encore davantage. Amen. Il accordera effectivement la grâce. Je crois que tout un chacun de nous, lorsque le Seigneur fait quelque chose au travers de mon frère et de ma soeur, c'est la joie de tous. Amen. Nous ne devons pas être là entre nous. Non, nous devions nous réjouir. Si vous regardez ces enfants, Amen. D'où est-ce qu'ils viennent? Amen. C'est là que nous pleurons. Amen. Nous remercions Dieu avec beaucoup de reconnaissance. Amen. Ces enfants, parce que tous ces jeunes que vous voyez ici, ils ont aussi le même désir que les jeunes à l'extérieur. Regardez comment elles sont là, accrochées à la parole. Et ils étaient dans le monde, effectivement, on les a obligés, mais la parole de Dieu venait. Et ils se sont donnés de tout leur cœur et consacrés à Dieu de toute leur âme. Et voilà comment, effectivement, que même le monde voit que réellement que la main du Seigneur Jésus-Christ est là. Nous le remercions de tout notre cœur de cette œuvre qu'il fait dans chacun, et qu'il puisse arriver à pouvoir continuer à le faire. Je voudrais que nous prions pour nos frères, nous prions pour notre frère Daouda et pour tous aussi les jeunes aussi, et c'est que le Seigneur fait aussi pour nos soeurs, qui vont également prendre aussi le nom du Seigneur. C'est merveilleux quand même. Et aussi touché par ceux qui viennent de loin comme de près,
c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Je prie vraiment pour que le Seigneur, notre Dieu, accorde ses bénédictions à chacun de nous. Précieux Sauveur, je m'incline devant toi. Mon Dieu, c'est vrai, nos cœurs sont touchés, remplis aussi de reconnaissance. Lorsque nous pouvons voir ce que tu fais au travers de tes enfants encore aujourd'hui, Père. Seigneur, ils sont jeunes aussi, mais leur cœur se tournait vers toi pour réellement te servir avec même le peu qu'ils ont, mon bien-aimé Père Saint. Louange à toi aussi pour mes bien-aimés frères et sœurs qui ont ouvert leurs portes, mon Seigneur Jésus, pour pouvoir recevoir aussi leurs sœurs, leurs frères aussi dans leur maison, Père. Que chacun, chacune d'elles soit vraiment bénie, Père, parce que c'est un élan de cœur, mon Père Saint. Et aussi, Père Saint, ce que tu fais aussi au travers de tes enfants, toi, dans leur vie, aussi témoigne que toi, tu les as vraiment saisis et qu'ils se sont donnés vraiment à toi aussi, Père. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais, Père, pour tous ceux-là qui se sont déplacés, qui sont venus, Père Saint, qui dans leur pays pour venir encore dans ces lieux, afin que nous puissions avoir la communion autour de ta parole. Et te remercions aussi pour ta puissance, ta présence encore parmi nous et ce que tu fais, Père. Nous t'aimons beaucoup. Nous te remercions vraiment du fin fond de notre cœur. Surtout aussi pour nos enfants, Père. Nous voyons ces données encore aujourd'hui, te chanter tous les jours, Père. Que tes enfants soient vraiment bénis, Seigneur. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais. Nous avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment ne pas louer le Seigneur, notre Dieu? Comment ne pas le remercier pour tout son amour? Vous savez, je reçois des témoignages. Tout aussi, je commence à pouvoir vous rendre des témoignages des uns des autres. Mais frère, c'est oui, ma soeur et mon frère. Le Seigneur est en train d'agir dans chacun de tes bien-aimés frères qui sont ici d'une manière aussi particulière. Et quand la parole de Dieu sort et la parole touche vraiment le cœur et que vous voyez que la personne, c'est très touchant. Hein. La personne, voyez-vous, j'étais touché, je vous le dis, mais j'étais touché dans mon cœur. Voyez notre sœur ici, Marie, hein, qui est assise, je crois, juste là, à côté de notre sœur téléphonique. Eh bien, la sœur Marie, évidemment, avait toujours tendance, les dimanches, on part sur sa cour de boulot, elle partait, effectivement, parce qu'elle allait travailler hein, et courir, effectivement. Mais les dimanches, nous avons entendu la parole ici. Les lendemains, et je vois que c'était le même dimanche-là qu'elle est venue hein, et, au bureau, elle me dit, mais en tout cas, moi, je crois que le Seigneur m'a parlé sur cette parole. Nous avons eu à pouvoir entendre. En tout cas, c'est moi vraiment auquel le Seigneur s'est adressé. Parce que c'est vrai, le travail dimanche, je vais travailler. Mais alors pasteur, qu'est-ce qu'il faudra? J'avais le travail ou quoi? Et j'ai dit, le Seigneur accorde la grâce. J'ai dit, demande au patron s'il veut que tu puisses aller plus tard, ça va. Mais bon, si il dit que ça ne va pas, évidemment, donc tu vois ce qu'il faut faire. Je crois que c'est le dimanche passé, je crois que pour la nuit, il n'est pas parti au travail. Amen. Elle est restée pour qu'elle écoute la parole de Dieu. Alléluia. C'est une grâce, frère et sœur, lorsque nous pouvons entendre la parole de Dieu. Et parfois on peut dire, oui, mais les pasteurs me lisent. Mais les pasteurs ne pensent pas à vous. Mais elles sentent que ce n'est pas les pasteurs, ce sont Dieu qui lui a parlé. Donc il dit que je veux abandonner même ce jour-là, j'ai un salaire, parce que Dieu m'a parlé. C'est une grâce. Quand Dieu te parle, effectivement. C'est la même chose avec ma sœur Tiffany, hein, je le vois dans mon bureau, là, avec des larmes, effectivement, il dit, Dieu m'a parlé, frère, et non, que Dieu soit béni. Les choses où on peut penser que les gens vont penser à se révolter en disant, mais oui, mais c'est comme, en fait, chaque enfant de Dieu a une disposition, en fait. Et quand Dieu parle, effectivement, que c'est la personne qui est vraiment reprise, demande, c'est qui ce qui a été dit par le Seigneur, comme ça, c'est comme ça que j'étais. Donc là, je reconnais, effectivement, il faut glorifier Dieu. La manière dont le Seigneur est en train d'opérer le travail dans le cœur de tout un chacun. Parce que c'est pas normal, mon frère et ma soeur, que tu sois là, et que la parole sorte, que ça n'ait pas d'influence sur toi. J'ai toujours dit, il ne faut jamais tout le temps se justifier, moi. Quand on est devant la parole de Dieu, on doit se laisser instruire. Même si c'est Dieu qui sait ça, ça te touche mes propres sentiments. Non, j'ai dit, Seigneur, merci. Peut-être que la chose, je dis, c'était bon pour moi, je m'y accroche. Amen. Mais Dieu me dit, non, ce n'est pas bon pour toi. Je préfère abandonner cela pour pouvoir m'approcher à Dieu. Amen. Parce que ce qui m'attend de l'autre côté, c'est important que ce que... Il y a encore sur la terre. Parce que le temps sur la terre est en train de pouvoir également aussi arriver à sa fin. Nous nous préparons. Ah ben, je crois qu'il y a un cantique comme ça aussi que nous avons. Nous allons nous lever pour lire l'écriture, que je donne une portion de l'écriture. Et alors, nous prierons et nous
d'avoir promené, Seigneur, notre durable pour ce que nous avons le service de matin. Et demain aussi, nous avons aussi. Nous lirons dans le chapitre 55 d'Ésaïe que nous avons lu avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous aimons la parole. Amen. Que Dieu soit béni. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. Voulons nous asseoir à ses pieds. Amen. Et apprendre davantage. C'est une grâce que le Seigneur vienne et nous parle. Et confirme que c'est lui qui est vraiment béni. Nous allons donc au chapitre 55. Dis donc, verset 9 dit, hein, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes et sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. 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 Notre Père, nous t'aimons. Ta parole à toi est une nourriture pour nous. Et nous l'aimons parce qu'elle fait son travail dans chacun. Elle nous reprend, elle nous montre réellement ce que nous devons être. Parce que sans ça, nous ne savons pas comment faire les choses de la bonne manière. Mais il a plu à toi de pouvoir t'accorder la grâce d'envoyer ta parole qui est une lumière sur notre sentier, Père Tout-Puissant. Et comme tu l'as prié aussi, mon maître, mais nous avons sanctifié par ta vérité. C'est ta vérité à toi qui nous sanctifie, Père. Même si les choses sont dures pour nous, mais nous savons que c'est pour notre bonheur, Père. Louange à toi encore pour ce soir et pour ta parole, Père. Car nous t'avons ainsi prié de nous aider encore, Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons effectivement, dans les Saintes Écritures, combien le Créateur, le Dieu du ciel, met l'accent sur ce qui est important, que j'ai toujours eu l'occasion de pouvoir le répéter ici, et il le montre, en fait, il montre qu'il est lui-même l'auteur de la création, c'est-à-dire que l'auteur de la parole, et aussi lui-même aussi, hein, le propre interprète de sa propre parole. Amen. Dieu aime lui-même, pas quelqu'un d'autre, mais aime lui-même interpréter sa parole. Amen. Parce que c'est sa parole, il veut réellement s'exprimer aussi de manière à ce que c'est pour qui, avec elle, effectivement, il a annoncé donc telle parole, effectivement, qu'il puisse arriver à pouvoir en recevoir la compréhension est vraiment nécessaire pour qu'il puisse arriver à pouvoir savoir comment agir effectivement. Parce que si on n'arrive pas à pouvoir réellement comprendre les choses, eh bien on fera des choses selon notre façon de pouvoir voir. Je reviens un exemple tout à fait que j'ai toujours donné, qui est assez grand, c'est un rapport même du baptême, parce que dans le livre de Matthieu 28, comme tout le monde le sait, il est parlé du nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, effectivement, nous pouvons voir que toutes les religions, en grande majorité aujourd'hui sur la Terre, toutes les religions, effectivement, qui sont sorties, effectivement, du christianisme romain, effectivement, en réalité, eh bien, ils ont cette doctrine de la Trinité, dont, effectivement, ils se sont accrochés et qu'ils baptisent, effectivement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu, qu'est-ce qui, en parlant, effectivement, à cela, qu'est-ce que Dieu pensait? Donc, Dieu est vraiment le propre interprète de sa propre parole. Parce que c'est sa parole. Alors lui, il veut maintenant, lui, nous interpréter ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il nous l'a démontré effectivement dans les Saintes Écritures, dans le livre des Actes. Donc, Dieu interprète sa propre parole parce qu'il en est l'auteur. Et pour aussi que ceux auxquels, effectivement, la parole est destinée quand elle est prononcée, puisse arriver à pouvoir avoir la compréhension de ces choses, de manière à ce que la mise en pratique, effectivement, soit aussi conforme à ce que Dieu voulait. C'est pour ça que vous remarquerez, effectivement, que lorsqu'il a répondu à la question, quand les disciples lui ont posé la question, il dit, mais Rabbi, quand même, pourquoi tous ces gens, on le voit, ils sont nombreux, pourquoi tu leur parles en parabole? C'était surprenant d'entendre la réponse du Seigneur lui-même. Parce que vous imaginez, frères et sœurs, c'est qu'il y avait une foule. Et je crois qu'un prédicateur cherchera à pouvoir que quand la foule est là, que les gens puissent arriver à pouvoir réaliser qu'il fait bien. Sinon. Mais lui,
il se tient là devant la foule qui venait nombreuse, effectivement, il leur parle en parabole. C'est quand même un peu impensable. Alors les disciples étaient étonnés, ils disent, mais Rabbi, on pouvait penser que tu les quand même parler pour qu'ils comprennent. Il dit, mais tu leur parles en parabole. Il dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est quand même tout à fait extraordinaire. Une grande foule, et puis ils se tournent vers eux. Ils étaient combien? 12, mon frère. Et l'un d'eux est un démon. Il s'est pas tourné vers la foule en disant, je veux la foule, je veux la foule. Non, il a parlé en parabole, et il se tourne maintenant vers les 12. Et c'est son relâcheur qui pose la question, mais Rabbi me dit, mais en tout cas, mais pourquoi vraiment tu leur parles en parabole? Et c'est touchant ça. Regardez, alors nous lisons cela dans Matthieu, très bien cela. Matthieu chapitre 13. Je pense que c'est Matthieu 13. Voilà. Verset 10. Il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce que ici, nous voyons effectivement au chapitre 13, pour que nous puissions voir le tableau, verset 1 dit, ce même jour, Jésus, notre Seigneur, sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit, et toute la foule s'éteignait sous le rivage, et il en parla en parabole. Donc cette multitude qui était là, effectivement, et il a commencé à pouvoir parler en parabole. Et puis au verset 10, il s'est dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Nous aurons pensé que tu allais, comme la foule était nombreuse, effectivement, voilà, les gens sont venus nombreux chez toi, donc tu allais vraiment leur parler, effectivement, clairement, l'expliquant, les mystères, ceci et cela. Mais toi, non. Tu leur parles en parabole. C'est quand même pas normal. Et puis, verset 11, il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, mon frère et ma soeur. Une grande foule des hommes et des femmes aussi que Dieu a créé aussi, frère. Et ces hommes étaient venus aussi, je crois, pour pouvoir écouter quand même la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est ce que la Bible nous dit, non? Ils sont venus auprès du Seigneur Jésus pour écouter la parole. Et puis le Seigneur dit effectivement à ses disciples, 12 qu'il était, il dit, mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et puis, plus loin, il dit, verset 13, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni qu'ils comprennent. C'est pas facile à saisir. C'est pas facile à pouvoir saisir ça. Et là, c'était pas quelqu'un d'autre, mais le Sauveur, le Seigneur, les donateurs de tous les excellents, le Dieu parfait, le Dieu d'amour. C'est vrai, il était là. C'est tout à fait extraordinaire. Hein? Et puis la foule, effectivement, et il se tourne seulement vers les disciples, il le regardait, il dit, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Donc la foule qui était là, mais vous, oui. Parce qu'il dit hein, que je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils m'entendent, ils me comprennent. Et plus bas, il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. C'est faux. Et dit en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc il se tourne seulement vers un petit groupe.
pas la foule, mais un petit groupe, effectivement, c'est à ce moment-là, comme lui-même était l'auteur de la parole, effectivement, la parabole qu'il a annoncée, c'est lui-même, maintenant, qui vient maintenant en prenant cette parabole et dit, mais bon, je veux maintenant, parce que quand la foule est partie, évidemment, ils ont entendu, chacun est parti avec son raisonnement. Mais les disciples, effectivement, qui sont restés, l'auteur du parabole, effectivement, a eu à pouvoir leur donner maintenant la compréhension, effectivement, de ce don pour lequel cette parabole avait été donc adressée. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, en fait? Il leur dit à ceux-là que, à vous, vous suivez ça, il vous a été donné, vous allez bien suivre l'écriture, hein? Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais qui était-il cela? Vous vous souvenez dans la prière qu'il adressait lorsque il était avec eux, après que Judas soit parti, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, ils étaient à toi. Amen. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Amen. Et puis, quand il a parlé, effectivement, dans Jean au chapitre 6, c'est que les autres disciples sont partis, et il s'est tourné vers les autres qui étaient restés. Il dit, mais pourquoi vous aussi, vous ne partez pas? Parce que les uns avaient dit, oui, mais cette parole est dure, effectivement, vous vous souvenez, non? Amen. Manger ma chair et boire mon sang. C'est des paroles dures qui peut donc la supporter. Et ils sont tous partis, effectivement, et puis il est resté, ces petits groupes-là. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Et puis c'est Pierre qui répondit, à qui rien d'autre qu'à toi? C'est de toi que vient le parole de la vie éternelle. Nous ici, nous avons cru, nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis il dit, n'est-ce pas moi ici qui vous ai choisi? Dans sa prière, il dit quoi? Père, ils étaient à toi. Donc, quand j'ai fait mon choix sur vous, ce n'était pas par hasard, et comme j'ai bien sûr dit, bon, je prends ça, non! Je n'ai pas fait ce que moi je voulais, parce qu'il a toujours dit, je n'ai fait rien de moi-même. Je n'ai fait que ce que mon Père me montre de pouvoir faire. Est-ce que vous suivez? C'est ce que nous avons entendu effectivement dans les Saintes Écritures, le Seigneur dit, ainsi en est-il de ma parole, et ne rentre pas en moi sans avoir exécuté ma volonté. Prêtez attention, mon frère et ma soeur. Il dit, moi je ne fais rien de moi-même. Ce que moi je fais, c'est ce que le Père me montre de faire. Amen. Alors là, moi, je peux le faire, effectivement, puisque c'est ce que le Père veut que je puisse faire. Il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Ainsi donc, je vous connais. Et l'un de vous est un démon. Quand j'ai dit, mais pourquoi vous ne vous en allez pas, c'est sûr et certain que je savais. Je savais que vous ne partirez point. Eux pouvaient partir. D'ailleurs, quand je prononçais cette parole-là, vous avez remarqué que j'ai bien dit encore clairement en insistant, en disant, ma chair ici est une nourriture. Quel choc, hein? Parce que dans les Saintes Écritures, il était bien interdit, jamais permis que quelqu'un, un croyant en plus qui croit en Dieu, puisse manger la chair humaine. Et là, il dit, moi ici, je vous dis, mais ma chair est une nourriture, et puis en plus encore, mais mon sang, moi, pas le sang d'un homme, de vache, je ne sais pas moi, d'un bouc, mais ça. Il dit, mais mon sang, moi, le sang humain, est un breuvage. Alors il dit, mais c'est lui qui mange ma chair. Frère et sœur, j'ai toujours dit, quand nous entendons la parole, transportons-nous en ces temps. Amen. Parce que vous croyez, parce que vous voyez la suite, mais, et faites abstraction de la suite, mais transportez-vous, mettez-vous à la place de ces gens-là. Qui était instruit, frère? Que l'âme est dans le sang, donc c'est interdit de manger les sangs de l'animal. Dans les Lévitiques, c'était interdit, on ne peut pas manger le sang. Et là, maintenant, cet homme, il dit, je viens de Dieu. Et il nous dit à nous, que si toi, tu ne manges ma chair, tu ne bois mon sang, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Alors là, c'est quand même une équation très difficile. Pour que moi je puisse avoir la vie éternelle, je dois boire ton sang
et manger ta chair. Mon frère et ma soeur, croire en Christ, croire la parole de Dieu, ce n'est pas une chose tout à fait simple. Amen. 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 Quand on voit comment la suite d'Abraham, on dit, ah, mais si on n'avait pas la suite. Et mettez-vous en place ces gens-là qui étaient des juifs, avaient effectivement dans le choses de la Torah, effectivement, comme il disait, dit, et puis entendre que Moïse avait dit qu'on ne peut même pas boire le sang. Parce que le sang, on devait le répandre, effectivement, pour Dieu. Et j'en ai mangé le sang. D'un animal. Mais toi, tu nous dis que tu viens de la part de Dieu. Et tu viens nous dire que si nous ne mangeons pas ta chair à toi ici, si tu me disais que bon, la chair d'une vache, je comprends. N'est-ce pas? Sur la viande d'une vache, je comprends. D'un mouton, je comprends. Mais tu me dis, tu nous dis à nous ici, qui sommes là, qui sommes venus pour pouvoir t'écouter, que si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, ces gens-là, c'était en fait des disciples qui ont marché avec le Seigneur. Et puis ils ont dit, c'est pas possible, qui peut écouter quand même cette parole qui est de vous? Alors ils ont dit, mais quand ils ont eu le pouvoir, je suis resté tranquille. Je leur ai dit, parce qu'il me dit, mais vous n'avez pas voulu prononcer, je dis, mais je sais que vous murmurez, mais cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Je sais que vous murmurez. Il dit, mais le parole que moi je vous ai dit, son esprit est vie. Et puis il continue, il dit, nul ne peut venir à moi. Vous connaissez l'écriture, non? Si cela lui a été donné par mon Père. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Il dit, mais cette parole ici de manger sa chair et de boire son sang, c'est tellement dur. Et puis ils sont partis. Chacun a pris son chemin, il est rentré dans la direction dans laquelle il voulait. Mais les autres là, ils sont donc restés. Vous avez remarqué, frère, que le Seigneur, quand il a eu à pouvoir prononcer cette parole, malgré que les autres partaient, il n'a pas tremblé, il ne s'est pas mis à pouvoir se poser la question comment les choses étaient. Il est resté vraiment tout à fait tranquille et il a même dit aux autres, effectivement, qui étaient restés, mais pourquoi vous n'en partez, vous n'en allez pas, vous aussi, vous pouvez partir aussi. Mais s'ils ne pouvaient pas partir, ils sont restés. Philippe était l'un de ceux-là qui a rendu témoignage à Nathanaël. Souvenez-vous. Nous ici, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé, écrit Jésus de Nazareth. Vous vous souvenez? Amen. Donc Philippe avait donc le témoignage de ce Jésus. Pierre aussi avait donc le témoignage de Dieu. Donc tous ceux qui ont eu à pouvoir s'accrocher à lui, parce que c'est lui qui les a appelés. Il y avait certainement quelque chose parce que il n'a pas appelé n'importe qui, il a appelé effectivement ceux qu'il connaissait. Vous vous souvenez? Maintenant, écoutez bien. Vous savez que dans les Saintes Écritures, la Bible dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. Donc, dans les choses de Dieu, il faut que nous soyons conscients, frères, qu'il n'y a pas la place pour le hasard. Amen. Ou que je me suis retrouvé par hasard. Amen. Non. Amen. Il faut bien que nous puissions réaliser aussi une chose, c'est que le Saintes Écritures montre aussi que pour que nous puissions être conscients. Peut-être que les autres ne peuvent pas comprendre ces choses-là, mais vous pouvez comprendre. Parce que nous étions tous dans différents endroits. Des religions diverses, effectivement, de croyances diverses, effectivement. Mais à un certain moment, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as entendu une voix t'appeler, toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, sans l'ombre d'un doute. Amen. Cette voix s'est adressée à toi. Amen. Je donne un exemple, effectivement. Voyez-vous, j'ai donné un exemple tout à l'heure, effectivement, de ma soeur Marie et aussi ma soeur Trifoutini. La parole était prêchée ici, c'était pour tout le monde. Les gens qui sont en connexion entendaient effectivement. Mais la sœur Marie s'est levée et dit, ah Seigneur, là j'ai entendu
que toi, tu me parlais à moi directement. Parce que vous savez, c'est une personne qui aime son travail, qui aime avoir l'argent, effectivement, donc des jobs, il en fait tout le temps. Dimanche, il est parti, effectivement, son sac, on parle, elle prend son sac, il s'en va, pour faire ce job, on pouvait parler, rien, ça rentrait, ça sortait. Mais ces jours-là, amen. Ces jours-là, la parole est sortie, tout le monde regardait, entendait, oui, Dieu parle, là où elle était assise, oh là là, ça frappait tous les marteaux. Donc la personne sentait, dit, mais Dieu ici, tu me parles, moi. C'est pas une soeur, c'est pas un frère, votre livre, c'est moi, Marie ici, étant assise là. J'ai durci mon cœur, tu me parles maintenant. Donc chacun de nous, mon frère et ma soeur, où qui étions quelque part à un certain moment, même si vous n'arrivez pas à voir bien voir les choses, mais il s'est passé quelque chose. Amen. Amen. Qui a fait que puisse arriver à pouvoir entendre et te lever et dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu donc que je fasse? Si vous observez votre vie, votre manière d'être effectivement, et vous regardez un peu avec Abraham, vous trouverez des éléments semblables dans votre vie par rapport avec Abraham. Amen. Parce que Abraham était aussi dans des traditions, effectivement, et puis Dieu l'a fait sortir là où il était. Amen. De la même manière que Dieu a fait avec Abraham, il l'a fait aussi avec toi. Amen. Amen. Autrement, si ce n'est pas le cas, mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas faire l'histoire avec toi. Amen. Parce qu'il a placé effectivement les éléments dans les Saintes Écritures pour que toi, tu réalises effectivement que l'action qui se passe avec moi, c'est exactement Dieu parce qu'il a fait ça avec celui-là. En fait, il n'est pas étonné, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu aussi? Donc pour que tu sois sûr et certain que non, ici, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est aussi la même chose, parce que c'est important ce que nous avons lu dans Ésaïe. C'est aussi la même chose, mon frère et ma soeur, que vous saisissez ces choses importantes. C'est aussi la même chose, effectivement, lorsque Rebecca, la femme d'Isaac, était donc tombée enceinte. Vous savez que Rebecca était stérile. Mm-hmm. Vous savez cela, non? Amen. Vous avez vu son attitude, son comportement, n'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, mais là, évidemment, regardez bien. Et quand elle est donc tombée enceinte, elle a vu que... dans son vent, dans son sein, effectivement, ben, ça travaillait, ça bouillonnait, effectivement, mais ben, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez, non? Amen. Donc, dans Genèse, chapitre 20, je pense que c'est ça. Elle alla consulter l'Éternel. Et le Seigneur, lui, et c'est ce que nous aimons beaucoup en Dieu, avant même que les enfants puissent naître et que l'un ou l'autre ait fait un acte montrant que celui-ci il est bien, celui-ci il est mauvais, sans dépendre effectivement des actes qu'ils ont imposés, Dieu a dit lui-même, moi l'Éternel, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Amen. Il dit, moi ici, mais je n'aime pas Ésaü, j'ai aimé Jacob. Donc c'est Jacob que j'aime. Et quand on a vu effectivement ses enfants naître, le premier, il sortait effectivement, qui était donc Ésaü. Le second tenait les talons de l'autre. Déjà par la naissance, effectivement, le caractère de Jacob était déjà manifesté. Et quand ses enfants ont commencé à pouvoir réellement aussi grandir, regardez très bien. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est parce que il sait, frères et sœurs, même demain ou dans 2 ans, ce que vous allez penser. Amen. Donc aujourd'hui, il sait ce que vous penserez dans 2 ans. Amen. Oui, il est le maître qui contrôle ta vie à toi. Amen. Le Seigneur contrôle même le mouvement du vent. Amen. Amen. Il n'y a rien qui peut se passer sur la terre. Quand je vous ai parlé autrefois, les gens, ils ont fait conférence la climatisation. Conférence, il faut inventer un climatiseur pour refroidir les ciels. Parce qu'il faut faire une conférence. Donc, vous savez ce qu'ils ont fait, non? Oh, c'est débattu là-bas. J'ai dit, mais c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. J'ai me souvenu autrefois, dit, mais ils ont oublié, ils ont invité les présidents de la République, des hommes importants, pour débattre effectivement du climat. J'ai dit, mais ils ont oublié. Ils devaient inviter les hommes importants. C'est vous. Amen.
Amen. Mais vous me dites, frère, c'est pas vrai. Mais c'est vous. Amen. Ils ont invité ces hommes-là parce qu'ils sont président de la République, effectivement. Mais en fait, le plus important, c'est vous. Amen. Nous l'avons entendu hier. Akab était le roi d'Israël régnant sous son trône, effectivement. Élie, un petit bonhomme là, quelque part, effectivement, qu'on méprisait. Il dit, moi, j'ai dit, le ciel ferme-toi pendant 3 ans et demi. Un an. Le roi a commencé à trembler, il pourrait appeler ses dignitaires. Il n'y avait rien qui s'est passé. On a consulté les personnes qu'il ne fallait pas. On va dire, mais cet homme-là, il est malade. Il n'y a pas de problème. Et oui, et Akab, qu'est-ce qu'il a pu faire? La sécheresse y était. Ah oui, il n'y avait plus d'eau. Et lui a dit, 3 ans et demi, sinon, à ma parole. Un bonhomme, on le regardait effectivement, il n'avait pas des militaires, donc tout seul. Tout seul, il dit, mais toi tu parles, tu dis, tu es roi, tu fais la fête, tu parles à moi, on n'a pas lavé les fêtes, il n'y a pas de problème, mais moi ici, je me tiens de haut, de haut. Il dit, mais toi, ciel, ferme-toi. Pendant 3 ans et demi, sans oser, sans pluie, tout sec. Et le ciel est fermé. Maintenant, continue à fêter. Ça devient problématique. Allez chercher de l'air à gauche. Quand il courait s'il y a un petit ruisseau là-bas. Eh messieurs, tu es roi, non? Lui qui est-il un bonhomme de rien du tout? Mais ce n'est pas un bonhomme de rien du tout, c'est un fils de Dieu. Un serviteur du Dieu vivant. Amen. Et quand on est à Dieu, on appartient à Dieu, la nature même nous est soumise. Amen. Mais la Bible dit effectivement que la nature entière soupire. Amen. Après quoi? La manifestation des dieux, non, des fils des dieux. Vous, non. En l'occurrence. Amen. Donc, comme tu disais, effectivement, que. Et oui, ils ont fait cela. Donc, d'abord, on a trouvé l'accord. Je dis, mais tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Si vous avez simplement pris, si vous avez envoyé des grands motards avec vous, il dit, bon, tous les présidents, déplacez-vous, laissons entrer. Vous trouvez que c'est une comédie, c'est pas une comédie. Mon frère, j'ai pas ça. Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar. Avec toute sa royauté, avec tout ce qu'il avait comme chose, évidemment, autour de lui, tout ça, avec tous les festins, il voulait un grand roi quand il a eu son songe. N'est-ce pas? Tous les dignitaires de roi qui disent autour de la table, ils disent, mais personne n'a su donner la réponse au roi. C'est vrai, non? Quelle décision était la sentence? C'est que le roi de la Bécassa était en colère. Il dit, tous les sages, on coupe la tête. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait faire contre lui. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Mais il y avait un petit bonhomme quelque part là. Amen. Un bonhomme, quand on regardait, il ne valait rien du tout. Mais mon frère, il a dit, oh roi, n'exécute pas les hommes, je connais. Il y a un Dieu dans le ciel. Amen. Et moi, je le connais. Alléluia. Donne-moi du temps pour que je puisse le consulter. Amen. Vous, frère, lisez les saintes écritures, mon frère. Amen. Donc, tous les démons et tout ce qui était dans les cieux ont cherché à faire connaître les sons d'Amérique de ça. Personne ne le savait. Il y avait un petit bonhomme là, Timmy de Daniel. Il dit, mais tous les grands ici, on a fait tout, effectivement, on a invoqué, on a envoyé la fumée, il n'y a rien qui est venu. Il n'y a que des dieux qui doivent savoir cela. Et bien, sur la terre, il y avait aussi un dieu. Amen. Un fils de Dieu. Amen. Amen. Quand Daniel est venu, effectivement, vous connaissez tous, non? Amen. Ça, vous connaissez quand même. Hein? Amen. Et bien, le roi qui était sur ton trône, effectivement, disait que je suis le roi des rois parce qu'il était. Le bonhomme qui vient, qui dit, oh, roi, vie éternellement. Tu étais donc là, dans ton songe, tu as vu, et comme vous savez, quand il a commencé à décrire, le yeux s'ouvre, commence à voir ses craquer davantage, et l'homme commence à se découvrir parce qu'il regardait la personne qui lui parlait, et puis il entend, mais le songe est certain, mais certainement il était certain, l'explication aussi est aussi certaine, et quand tu donnes l'explication, effectivement, vous savez ce que l'homme a dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de cet homme. Et puis cet homme ici, non. Il a en lui l'esprit supérieur. Amen. C'est un Dieu. On l'a fait, tu le battes, non? Il dit, c'est un Dieu. Fait. Oui. Il était rien. Mais quand on a vu ce que Dieu a fait de lui, il dit, mais nous, on ne savait pas. Je vais confier à cela. Il dit, mais maintenant, tous les satrapes, tous sont dit, mais maintenant, toi, tu deviens maintenant le chef. Lisez les Écritures, frère. Amen. Ils avaient d'abord consulté les mauvais. Il fallait consulter les bons. C'est lui qui vous méprisait là. C'est sûr et certain. Vous me dites pour le oui, mon frère, toi tu connais. Il n'y a pas de problème, mais les climats. Mon frère et ma soeur.
Mais il devait vous consulter. Si vous avez consulté, il n'aurait pas pu perdre des milliards à gauche et à droite, loger les présidents, les séchés, nourrir. Non, essayez-vous des bons. On vous donne quand même quelques millions pour vous sentir bien. Dites-nous qu'est-ce qu'il a mis. Au lieu de pouvoir inviter les présidents à loger dans les grands palais, appeler les, parce qu'on a appelé les boulangers pour faire les pains tous les jours, les cafés, tout ça. Non, donnez aux frères qui sont viennent. Des cafés, des sandwichs, tous les jours, frère. Ma soeur dit, tu veux quoi? Les grands sandwichs, les petits brillants. Donc on vous donne tout ça. Dit, alors dites-nous ce qu'il a dit. Oui, nous pouvons vous dit ce qu'il a dit. Ne vous traversez pas. Vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. Amen. C'est déterminé que cette heure-là peut arriver pour le feu. Amen. Tu ne peux pas éteindre le feu de Dieu, mon ami. Amen. Avec quoi tu vas être animé? Alors si nous, nous invoquons notre Dieu, eh bien le climat va être bien parce que nous sommes encore sur la terre. Amen. Alléluia. Et c'est vrai. Parce que nous sommes sur la terre, le soleil va nous couvrir encore. Amen. Mais lorsque nous, nous partirons, amen, alors soyez-nous, hein, donnez-nous bien, entourez-nous. Comme ça sera bien pour vous. Si nous partons, c'est fini ça. Amen. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, mon frère. Amen. Si aujourd'hui la terre est ainsi, ou bien, c'est pour ça que je dis, mais tout ce que j'ai dit, je vais prier une bonne chose à son directeur. J'ai dit, mais vous n'avez pas à voir perdre des kamikazes avec les indiens. Non, 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 non. Oui, je vous l'ai dit depuis. Parce que c'est là, vous avez dit, les gens sont. J'ai dit, non, 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 monsieur. Oh, l'islam, oui, c'est vrai que il y a le temps où l'islam a évolué. Oh, l'islam, ou pas l'islam. J'ai dit, non, vous inquiétez pas, l'islam. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'islam. Alors, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez comme kamikaze? Je dis, non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce que. Tout. Ils vont se faire sauter eux-mêmes, évidemment, ils vont diminuer le nombre. À force de se faire sauter, évidemment, vous voyez, c'est vrai. S'ils sont 10, ils se font tous sauter, boum, 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 boum. Finalement, dans le rang des kamikazes, il n'y aura plus rien. Et qui va faire sauter encore? Vous comprenez? Mais parce qu'avec les bras de fer qu'ils ont, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Les gens ne comprennent pas, en réalité, en réalité, ce que notre Dieu est en train de pouvoir faire. Donc, regardez très bien. Donc, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Mais l'un de vous est un témoin. Donc, il a bien précisé, frères et sœurs, pour que nous comprenions qu'en fait, il n'y a absolument rien qui échappe à Dieu. Amen. Il dit, l'un de vous est un démon. Et ces démons-là ne pouvaient pas partir à ce moment-là avec les autres. Non. Oh oui, mon frère et sœur. Je vous l'ai toujours dit, frères et sœurs. Doutez des hommes. Amen. Doutez de vous-même. Amen. Mais jamais de Dieu. Amen. Amen. Jamais, jamais, jamais de la parole de Dieu. Amen. Quand le Seigneur te dit qu'il t'a sauvé et que la mort n'a plus de pouvoir sur toi, ne doute jamais. Alléluia. Vous savez, mon frère et ma soeur, quand on parle de la mort, effectivement, c'est une séparation physique. La vie, vous l'avez déjà touché la vie? Et qui est l'auteur de la vie? Si vraiment tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, et je vais toujours insister en le répétant toujours, pas les Jésus des églises, parce qu'avec ces Jésus des églises, tu n'iras pas trop loin, tu seras toujours membre de l'église. Mais les Jésus de la Bible, Amen. De la Bible ici, l'auteur de la vie éternelle, Amen. Si tu l'as reçu de tout ton cœur, il va transformer ta vie. Mon frère et ma soeur, tu es vraiment passé de la mort à la vie. Amen. Avec Jésus notre Seigneur, tu ne peux plus mourir. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Sûr et certain. Quand Dieu dit quelque chose, dans sa parole, il a bien dit aussi l'avoir entendu, effectivement, il dit que, Dieu du ciel, je n'ai pas beaucoup de temps. Regardez très bien, il dit, mais la parole qui sort de ma bouche, elle ne peut pas retourner à moi
sans avoir exécuté ma volonté à moi. C'est absolument impossible que cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu n'accomplisse pas 100% ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de pouvoir nous-mêmes interpréter ou dire, mais ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. Nous avons besoin de vraiment des hommes envoyés de Dieu. Amen. Qui nous parlent de la part de Dieu. Amen. De manière à ce que nous puissions vraiment entendre le son qui est la voix exacte de Dieu pour nous qui sommes nous croyants. Amen. Autrement, nous serons dans la confusion parce que l'homme a sa pensée. Oui. L'homme a sa compréhension. Mais quand maintenant je prends ma compréhension, je le mets dans l'écriture qui est la parole de Dieu, ce que je vous donne, moi, c'est un poison. Amen. Ah ben oui. Parce que ce que je vous donne n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Amen. Et puisque ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit, ben ça ne produira jamais rien en vous. Amen. C'est sûr et certain. Parce que ce que Dieu a dit, eh ben, ça contient effectivement la volonté de Dieu pour que cela puisse s'accomplir comme Dieu l'a dit. Vous savez, ce sont des choses pour lesquelles nous aimerions prendre vraiment du temps de rester ensemble. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Pour que vous compreniez pourquoi il dit qu'on n'a pas le temps, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, frère. Il dit, il en est ainsi de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne jamais à moi sans avoir exécuté ma volonté. Vous savez, comme l'avons entendu, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu l'a prononcée, elle ne peut pas faillir. Que l'homme ne la croit pas comme Dieu l'a dit, elle s'accomplira certainement comme Dieu l'a dit. Et quand nous l'avons aussi entendu, le Seigneur a dit, mais à vous, vous avez été donné. Regardez, qu'est-ce que le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 17 et 18, nous dit? Vous connaissez l'écriture? Regardez. Jacques, au chapitre 1. Regardez. Regardez quelque chose de particulier. Jacques chapitre 1, lisons verset 16. Jacques, vous connaissez, c'est après les Hébreux. Jacques chapitre 1, vous y êtes? Ok, nous lisons. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. Verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Vous avez entendu? Amen. Maintenant, le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Lui, Dieu, il nous a engendrés. Selon quoi? Sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alors, regardez, frère. Dieu dit, sa parole ne peut jamais retourner à lui sans avoir exécuté sa volonté. Donc, ce que Dieu a prononcé comme parole, effectivement, c'est la volonté de Dieu, elle doit certainement s'accomplir. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui contient donc la volonté de Dieu et qui ne peut qu'effectivement exécuter la volonté de Dieu. Vous souvenez du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux rien faire si ce n'est que ce que je vois faire le Père. Je ne fais rien de moi-même si ce n'est que ce que le Père me montre de pouvoir faire. N'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Jésus le Christ? Mais c'est la parole de Dieu qui est faite donc chair. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu qui est faite chair. Lorsque nous prions, écoutez s'il vous plaît, frères et sœurs, faites attention. Lorsque nous prions, la prière du Seigneur a eu le pouvoir. Dire aux disciples, c'était quoi? Quand vous priez, n'imitez pas des vaines paroles. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et quoi encore? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réveillez-vous un peu. Qui est celui qui prie là? Parce que quand il prie, il dit quoi? Mon Dieu qui est au ciel? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, donc il s'adresse à Dieu en tant que qui? Ah, donc Dieu est son Père. Et lui, il est fils de Dieu. Parce que s'il appelle Dieu Père, c'est parce qu'il a eu un pouvoir réellement expérimenté en Dieu, effectivement, la paternité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la Bible dit que Jésus, le Seigneur, est sorti de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Quand il était dans les jardins de Gethsémani, vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, oui, vous savez cela. Il a prié, effectivement, et puis il s'est réveillé, mais Père, si cela était possible, que ce te coupe ici, c'est loin de moi. Vous posez la question, non? Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Toutefois, pas ce que moi je fais, mais que ta volonté à toi, ta volonté à toi, soit faite. Amen. Pourquoi cette écriture est-elle la qualité qu'il a cet endroit? N'avez-vous pas remarqué dans les Saintes Écritures, dans Matthieu au chapitre 7, quand vous lisez la parole de Dieu, faites très attention. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 7 dit? Tout ce qui me dit Seigneur, 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 est-ce que vous suivez, frère? Amen. Vous connaissez l'Écriture, non? Amen. Vous savez que c'est la Bible, non? Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas quand même pas les païens, puisque pour dire à Dieu Seigneur. Parce qu'il dit, mais n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses par ton nom? Donc les païens dans la rue, ils ne peuvent pas faire des choses au Seigneur quand même. Non. C'est bien le croyant. N'est-ce pas vrai? Amen. Et pourquoi alors le Seigneur dit que. Ils n'adoreront pas. Il dit, je vais retirer. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez l'écriture, non? Amen. Je ne vous ai jamais connu. Et plus haut, il dit, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est l'écriture. C'est comme ça, c'est dit, non? C'est le masque. Nous pouvons aller peut-être au baptême. Regardez Matthieu au chapitre 7, rapidement, parce que bon, on va passer au service de baptême tout à l'heure. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand il a prié dans Jean chapitre 17, il a exprimé effectivement ce qu'il en était, ce qu'il était, ce qu'il a eu à pouvoir réellement faire. Vous remarquerez une chose, frères et sœurs. Que en rapport avec la volonté de Dieu, il y a une écriture dans le livre des Hébreux qui nous dit quelque chose. Et là, je voudrais qu'en le lisant, que vos yeux puissent arriver à pouvoir s'ouvrir pour que vous compreniez. Vous connaissez l'écriture. Il dit, car vous avez besoin de la persévérance. Vous suivez, vous connaissez l'écriture, non?
connaissez quand même. Amen. 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 Si vous ne connaissez pas, dites-moi que je lise. Vous voulez que je lise? Vous voulez que je lise? Okay. Hébreux chapitre 10. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Ma question est celle-ci. À qui est-ce que cet homme de Dieu s'adresse lorsqu'il parle comme ça? À ceux à qui il dit effectivement que vous avez besoin de la persévérance. Afin que... Parce qu'il montre une chose. Que vous ne pouvez pas obtenir ce qui vous a été promis. Qu'est-ce qui vous a été promis? À qui est-ce que cela a été promis? Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham savait que c'était à lui que la promesse a été faite. C'était pas à l'autre. Vous comprenez cela? Donc, alors, maintenant... Il parle en fait à ce peuple auquel la promesse a été faite. Et puis, c'est de quelle promesse il s'agit? Ce n'est pas n'importe quelle promesse, mais dit, mais la promesse vous a été faite, effectivement, de quelle promesse? Parce que pour que vous obteniez cette promesse-là, il y a donc quelque chose que vous devez absolument faire. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre des Actes au chapitre 3, je pense que c'est cela. Lisons avec vous rapidement, Actes 3. Actes 3, ici, il dit, regardez. Verset 19, Actes 3, il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ainsi que, afin pardon, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, vous suivez? Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. De qui effectivement on parle là? Cette écriture s'adresse à qui effectivement? C'est pas à tout le monde, mon frère. Est-ce que vous êtes conscient? Amen. Cette écriture ne s'adresse pas à tout le monde. Est-ce que vous saisissez? Amen. Regardez dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Verset 37, il dit. Encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas. Maintenant, vous voyez à qui est-ce que la promesse a été faite? Vous voyez, c'était la promesse de quoi? Est-ce que vous comprenez quelle était la promesse en réalité? Est-ce que vous avez compris ou pas? Amen. Non, si vous n'avez pas compris, il ne faut pas voir où. C'est parce que par la grâce de Dieu, je peux vous montrer. Est-ce que vous avez compris quelle était donc la promesse et à qui cette promesse avait été faite? Amen. Donc ici, il s'agit d'un peuple qui attend le retour du Seigneur. Amen. On dit bien parce que encore un peu de temps, celui qui doit venir. Vous suivez? Amen. Parce que dans Actes chapitre 1, il nous a dit une parole ici, regardez très bien. Actes chapitre 1, ici, il nous dit. Verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Vous comprenez? Amen. Lui, il dit, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen.
Alléluia. Amen. Donc c'est bien la promesse, effectivement, que le Seigneur a fait de pouvoir venir, revenir, effectivement, pour chercher un peuple qui porte à son nom. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc ici, là, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, il s'agit effectivement du peuple qui porte le nom du Seigneur. Amen. Auquel le Seigneur avait fait la promesse, n'est-ce pas vrai? Donc ce peuple en question, il s'agit effectivement de l'épouse de Jésus-Christ. Et vous avez remarqué l'Écriture, qu'est-ce que l'Écriture a dit? Vous avez besoin de la persévérance. N'est-ce pas vrai? Nous arrivons, hein? Afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez donc ce qui vous est promis. Pour que vous puissiez obtenir ce qui vous est promis, il faut, non, obtenir... Afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc si la volonté de Dieu n'est pas accomplie, vous ne pouvez pas obtenir ce qui vous est promis. Amen. Or Dieu a fait la promesse. Que je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand j'aurai terminé, bien dit, écoutez, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, il ne parlait pas aux oiseaux. Hein. Il parlait bien à ceux qui étaient avec lui. Il dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, écoutez bien, s'il vous plaît. Donc, l'endroit qu'il est allé préparer, cet endroit, s'il n'y a personne, ça restera vide. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Mais il a dit, pour nous montrer que cet endroit ne peut pas rester vide, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où je suis, vous y soyez. Vous cherchez pour que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais là, nous, on nous a parlé d'une condition d'abord. Il faut d'abord que pour que nous puissions obtenir ce qu'il nous a fait comme promesse, que nous puissions accomplir effectivement la volonté de Dieu. Alors nous avons entendu. Ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous là-bas. Mais seulement. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je voudrais vraiment votre attention, frères et sœurs. Dieu, notre Seigneur, n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Amen. Amen. Il a dit, ma parole à moi, il ne retournera jamais à moi sans avoir accompli les desseins pour lesquels il est envoyé, sans avoir exécuté ma c'est pas vrai? Amen. Sa volonté et c'est sa parole. Amen. Voilà là, mon frère et ma soeur, où nous devons être maintenant conscients d'une chose, que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps, mais que nous sommes là en train de pouvoir suivre des hommes à gauche et à droite. On dit peut-être que l'enlèvement pourra avoir lieu, est-ce que c'est peut-être... quelque chose qu'on parle, on en parle, est-ce que c'est vrai, c'est certain, est-ce que vraiment ce peuple sera, ainsi de suite. Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme ça. Amen. Nous sommes certains. Amen. Amen. De ce que l'enlèvement va vraiment avoir lieu. Amen. Nous sommes aussi certains qu'il y aura un peuple de Dieu Amen. Qui est l'épouse de Jésus-Christ, Amen. Dont nous faisons partie. Amen. Donc quand on parle de l'épouse, effectivement, eh bien, toi mon frère, toi ma soeur, tu dois te sentir que je fais partie. Amen. Je suis dedans. Amen. Pour quelle raison? Regardez. Nous l'avons lu avec vous dans Jacques. La Bible nous a dit, il nous a engendré. Donc, verset 18, non? Il nous a engendré selon sa volonté. Amen.
Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Je répète encore. Allez. Il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir exécuté sa volonté. Amen. Donc, si Dieu l'a dit, Amen. Elle devra accomplir parfaitement ce don pour lequel Dieu l'a envoyé. Amen. Mais Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Donc, pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie à toi, il faut que toi, tu sois engendré par la parole de Dieu, Amen. Qui est la volonté de Dieu, Amen. Que tu sois engendré selon la volonté de Dieu, Amen. Alors c'est sûr et certain. Écoutez bien ceci. Mon frère et ma soeur ne peut accomplir la volonté de Dieu. Ouvre bien vos oreilles. Ne peut accomplir la volonté de Dieu qu'un élu de Dieu. Amen. Amen. Le seul, écoutez s'il vous plaît, le seul peuple qui va accomplir 100% la volonté de Dieu, c'est l'épouse de Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous savez d'abord pourquoi? Est-ce que vous savez d'abord pourquoi? C'est dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, que Dieu nous montre effectivement. Et qu'est-ce qu'il dit d'abord? Il dit, son épouse est os de ses os, chair de sa chair, esprit de son esprit. Amen. Vous suivez? Amen. Et quand on parle de l'épouse de Jésus-Christ, on sait une chose que c'est le corps de Jésus-Christ lui-même. Amen. Je voulais toujours répéter ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai dit, on dit bien le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps de l'IFC. Non. Ce n'est pas le corps de mon frère. Ce n'est pas le corps de ma soeur. Quand on parle du corps de Jésus-Christ, c'est en fait le corps de Christ 100%. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ce n'est pas le corps d'un homme, mais c'est le corps de Jésus lui-même. Ce n'est pas en fait une métaphore. Quand on parle de ça, il se trouve une illustration. Non. Ici, il s'agit vraiment du corps de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme quand on était sur la terre, là, mon frère. Lorsqu'il pouvait marcher, effectivement, on pouvait le voir, on disait, voici donc Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Amen. On ne disait pas, mais voici donc Pierre ou Paul. Non, c'était Jésus-Christ. Amen. C'était où on le touchait, la femme le touchait, elle était guérie. Amen. Donc c'était vraiment son corps, pas le corps de Christ. Donc quand on parle du corps de Christ, c'est vraiment le corps de Jésus-Christ. Amen. Lui, il est venu selon la volonté de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Amen. C'est pourquoi il ne pouvait pas ne pas faire la volonté de Dieu. Amen. Même s'il ne voulait pas. Amen. Mais puisqu'il était constitué de la volonté de Dieu, Amen. Il allait accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu la mettras en pratique. Amen. 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 Malgré que tu sois encore avec des envies à gauche et à droite. Oui. Malgré que la faiblesse encore de la chair est là, Amen. Cette faiblesse te laissera. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la nature que toi tu as, puisque tu es engendré, selon la volonté de Dieu, Amen. La parole de Dieu, on agira en toi, Amen. Et tu mettras la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole est prêchée, mon frère, Amen. Pour que tout homme. Et que ta nature soit manifestée, Amen. Tu seras manifesté. Alléluia. Monsieur Sauveur, oh Père, ce soir, tu parles de mon corps et de mon cœur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Père. Oh, si ton peuple pouvait avoir les yeux ouverts, de voir ce que tu fais, mon bénévole Père, de te voir l'œuvre encore, mon bénévole Père, tu dis, oh Dieu, t'es dans cet endroit, Père, louange et honneur à toi, mon sauveur, parce que tu es vraiment vivant.
Ta parole est vraiment la vérité, Seigneur. Tu ne l'as pas laissé en prenant. Tu ne l'as pas laissé seul pour cette bénédiction. Gloire et honneur. Ta parole est une parole de Dieu, Dieu le Tessin. Et nous sommes une partie de la parole, mon frère. Et nous sommes la parole de Dieu, le Père. Le vous est là. Louange à toi. Pourquoi tu as manifesté encore ta puissance dans cette histoire? Tu as envoyé la parole de la restauration au moment de ce Père. Loué soit l'éternel. Qui fait sur ta parole, Père. Thank you.
Merci à toi, 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 merci à toi
Tu es magnifiquement
We